Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de Xenosaga épisode 1. Et j'avais complètement oublié à la vidéo précédente d'acheter de l'équipement en fait. Donc c'est normal que je me fasse défoncer. On va prendre ça. Je vais prendre les 3 paquets de cartes. J'ai testé le jeu Xenocart là, c'est pas mal. On en parlera plus tard. Du coup, faut acheter ça, c'est bon. Ouais, bah j'ai acheté avant de commencer la vidéo. Ouais. En gros, fallait acheter un équipement pour Cosmos surtout. Et équiper tout le monde, parce qu'il y avait des équipements que j'avais pas mis. Donc là, il y a que des armures en fait. Hein. Un Fiber Suit pour elle qui augmente comme de 10. Ah, ouais, c'est quand même pas rien. De 28 à 38. Et lui, il est ok. Là faut juste descendre en fait là où Momo et Ziggy sont arrivés. Donc pour rappeler tout en bas. Et là regardez ce que je vous disais. Tous les trucs qu'on a récupérés, ils sont de nouveau là. Ils sont quand même bien équipés par vaisseau de transport. Je sais plus si j'avais regardé les techniques. Ok. Avec ça de toute façon. Alors rien encore. Ok. Et lui bah c'est la première fois qu'on le contrôle du coup. Ah, quand même. On va mettre ça. Alors là, un conseil, prenez tout. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est marqué S level 1 partout. Et pour atteindre les niveaux 2, en fait, faut extraire un max d'accessoires en fait. Donc, vaut mieux tout extraire. Putain, elle a rien. Elle. Ah, bon, ok. Alors on va faire Evade plus 2, Search High et Terra Attack Zone. Je crois que les autres aussi ont ça. Du coup, Chion, elle a plus besoin de ça. Ah non, c'était pas ça. C'est qui là? Ah bah non, c'est bon. Parfait. Je pensais qu'elle avait le truc pour analyser les ennemis, mais vu qu'on l'a en passif maintenant. Du coup, là, ouais, on a fermé là. Et on va descendre par là. Donc ouais, c'est pour ça qu'il fallait récupérer les objets de tout à l'heure, parce que... Du coup, ils réapparaissent. C'est un peu con, hein, mais... Ah, ça a rechargé les objets, ça doit être un bug. Je vais me permettre de l'exploiter.
Alors vous avez vu que Momo, on dort une petite fille. Mais c'est normal. C'est son apparence a un sens. C'est pas juste pour faire petite fille. C'est marrant. Hop. Non. Je regarde si on n'a pas un qui a le speed pour. Voilà, rien là. Bon, Momo, je vous rappelle qu'elle est très fragile. Même si là, ça va mieux déjà. Alors Ziggy il aura toujours des armures propres à lui en fait. Bon, on va quand même regarder Momo. Même si Momo, je vous avoue qu'elle est pas très puissante. Elle a des magies sympas mais c'est tout quoi. Ouais. Ok, et on va regarder les skills aussi. Pas assez de points là non plus. Ok, on reste comme ça du coup. I will show you what a true battle is like. Je vais de la mettre derrière, elle va manger. Alors, je dois leur faire grand chose. Ouais, tu une baguette, c'est un peu chelou. Ok, point x4, parfait. Bon, heureusement qu'elle a pour soigner quand même. Ah, ils craignent plus le physique, on dirait. Ouais, carrément. Bon, la tactique de Momo, c'est pas trop ça. Ça suffit. On a tué les deux en plus sur le bonus. C'est parfait. Je sais pas si elle a assez de points. Non, elle a pas assez. Ah, lui, oui, par contre. Recharge. Ah oui, c'est quand il se soigne lui-même. On va le prendre. C'est un auto-soin assez puissant. Donc pareil ici, hein, ça recharge tous les objets aussi. Ils veulent pas venir, tant pis. Ah, il a boost direct, c'est beau. C'est lequel qui a boost. Je sais pas si on peut voir ça en fait. Merde. Ça a pas suffi. Alors on va lutter que sa attaque des terres en fait. Parce qu'elles sont plus puissantes. Ça, elle fait mal hein, quoi, non? Don't take it too hard. Ah, donc le but avec eux c'est de remonter. Le but avec les autres c'est de descendre. C'est là que c'est bien si vous connaissez le vaisseau.
Pour le coup, Momo, elle a l'air d'une gamine. Et c'est un réalien, donc en général, on se dit, ça veut rien dire, quoi. Parce que c'est l'apparence qu'on leur donne, ils grandissent pas. Mais pour le coup, Momo, elle a vraiment l'esprit d'une gamine, puisqu'il y a l'esprit d'une gamine dans sa tête, en fait. Enfin, pas l'esprit, mais elle était programmée pour être un enfant, en gros, quoi. Bah parfait, c'est exactement cette équipe qu'il nous faut. Sinon on peut faire comme ça et échanger en fait. En fait on va pas prendre Momo parce qu'elle est un peu faible par rapport aux autres pour l'instant. Et Chaos il est super fort mais il est surtout bien contre les Gnosis comme vous avez vu dans la petite scène où il les défonce là. Du coup on va plutôt utiliser cette équipe là ouais. Juste vérifier les points d'éther. Elle en a 100, elle 143. Peut-être moins de faire un truc avec ça. Analyse. Médica, ouais. Y'a quoi après? Ouais, je suis bête. Même ça, c'est pour fuir, donc non. Alors. Dexterity donne pour ennemi de type biologique et Gnosis ou attaque down. Ouais. On s'en a besoin d'en choisir un donc. Je dirais. Tout ça du coup. Il faut pas oublier de les équiper les magies qu'on apprend aussi. Ce qui en soi est un peu bizarre mais. Parce que c'est limité donc on peut oublier de le faire quoi. D'ailleurs je l'avais pas mis sur Ziggy la dernière fois. Ok bah c'est bon. Et du coup Chon elle soigne autant que Momo et en plus elle fait plus mal donc elle est mieux quoi. Voilà donc là le but c'est de détruire le vaisseau mère ennemi. Parce que en fait il est il fait que rapatrier d'autres ennemis, en fait, il les transfère sur notre vaisseau. On a enfin trois persos d'un coup. Quoi qu'on l'ait déjà eu avec Virgil, mais... Ouais, du coup ils ont bien augmenté le nombre d'ennemis là. On va utiliser ça. Là, je crois qu'ils se rendent pas compte de contre qui sont tombés en venant sur ce vaisseau. Pas lequel, soit je tue lui en premier. Et lui je vais tuer à coup sûr aussi avec mon attaque. On va le faire. Ouais on va faire ça. Même si normalement il attaque après mais bon. Pas trop dur hein. Par contre là on tombe que contre des ennemis de type mécanique du coup, type M. Donc les attaques qu'on a appris elles servent à rien pour l'instant. Donc là faut juste aller en bas mais je vais quand même je vais passer par là. Thank you.
Je crois qu'on a tous monté d'un niveau là. Ah non, pas du tout. 700, 237 pour Cosmos. On va un boss qui est un petit peu dur. Donc vaut mieux quand même se faire des levels. En plus quand c'est des combats gratuits comme ça. Juste petit point x4. Parfait. Ouais. Je passe, on aura le temps d'avoir des niveaux pour tout le monde. Bon allez, on va combattre quand même. Watch the enemy closely and react quickly. Ils sont beaucoup. Ouais, quand même. Mince, j'aurais dû faire un... Bon, c'est pas grave. Ah mais oui, ils craignent la foudre. C'est pas con ça. Il pense jamais. On va essayer de le tuer. Ouais. Ils craignent la foudre et le rayon, du coup. Parce que ça, c'est de type rayon. Et les attaques de... Comment elle s'appelle? De chance, c'est foudre. Donc ouais, ils craignent foudre et rayon. Ce qui est logique pour des... En général, les Gnosis craignent le rayon. Certains mechas aussi. Et foudre, les mechas, ils craignent en général aussi. Ce qui est tout à fait logique. Hein. Ziggy a que des attaques de feu, donc on pourra rien faire avec. Donc oui, comme je l'ai dit, je joue avec Xenocards. Du coup, on est passé de 7h58 à, ben, à 1h30 à tester le jeu de cartes. En gros, pour vous expliquer le jeu de cartes, ça ressemble un peu à Magic l'Assemblée. Mais un petit peu différent, quoi. Voilà, là il nous dit que le boss il est dans le hangar. Ça tombe bien, c'est ce qu'on est en train de faire. J'aurais dû me soupirer d'ailleurs. Je suis à combien là? Allez, on va utiliser une biosphère, on en a 50. Ça, le plus important c'est les skills. Pas les skills, les techniques. 210 points. Ah. Yes, ça y est. Lightning Fist. Bah, bah parfait. On va utiliser Lightning Fist direct maintenant. Et elle, un blade ou un canon, ça c'est de type beam, on peut utiliser ça.
Voilà, comme ça elle pourra l'utiliser à chaque fois. Et elle la spellerait normalement. Et Lightning Blast aussi. Alors, je sais pas si craint un rayon l'autre. Donc, au cas où. S'il craint pas le rayon pour le spammer de foudre. Comme quoi on a bien fait de faire des combats. Bon, normalement là on va le défoncer. Normalement il n'y a pas de raison qu'on batte pas le boss. On a toutes les bonnes attaques, on a les bons persos. On va juste voir qu'est-ce qu'il craint en fait. La foudre sûrement. Le rayon, je suis pas sûr. Voilà, on va les démonter les mechas maintenant. Du coup, elle c'est ça et la King Blast. Ah, c'est tout. Ok. Et elle, on avait dit. Ah, ils craignent pas la... ils craignent que la foudre peut-être. Ah, je suis pas sûr qu'ils craignent le rayon eux. Lui, on lui avait dit qu'on lui mettait quoi? Ça. Lightning Fist. Ouais. Je pense que ça nous donne une bonne idée de nos gros dégâts. Pardon pour le bruit. Ok. Ils sont à combien là? 500. Ah, l'XP monte vite quand même. On connaît le système de jeu, c'est quand même beaucoup plus facile. Hein. Cette attaque est plus puissante. Ah oui, ça lui fait vraiment des dégâts de malade. J'ai pas du tout attaqué le bon d'ailleurs, bon c'est pas grave. Ah ça. Pas fait la bonne attaque. Comme ça je le tue sur la pièce. En fait on fait mal mais les amis font très mal dans le jeu aussi. Faut faire gaffe. Let's go. Ok donc eux ils craignent la foudre. Ouais, eux ils craignent la foudre mais les autres ils craignent que le rayon on dirait. On gagne 100 XP à peu près, un peu plus. Donc ça vaut pas trop le coup. On va falloir faire 4 combats juste pour monter Ziggy. On va rester comme ça. Yes, j'ai pu lasser. Ça c'est parfait. Medicaul c'est obligatoire. On va utiliser ça parce que de toute façon on va jamais l'utiliser sinon.
Ok. C'est pour le boss. Ouais, il va nous analyser et faire un truc bizarre. Voilà, là il garde la pièce. Et du coup, quand chaque fois que ce sera la pièce, il va nous mettre des gros dégâts comme ça. Et c'est pour ça qu'il fallait médicaments. Oh là, je l'ai pas équipé comme un connard. On est foutu. J'ai oublié de l'équiper. Ça va être chaud là. Alors, est-ce qu'il craint la foudre? Alors, si je me trompe, déjà ça va pas le faire. Elle a quoi elle? J'ai qu'elle attaque, mais ça sent rien sur lui. Ah merde, il craint pas le rayon. Ça aussi c'était prévu, ouais. Bon bah, s'il craint pas le rayon, il doit craindre la foudre alors. Ça lui fait mal quand même. Ça va être la pièce là. Ah mais si la pièce c'est pas pendant son tour, c'est bon normalement. Ok. On va quand même faire ça. Open 4500 HP. Il donne l'anti-beam armor. Weakness L, donc lightning. Ouais, faut décoder hein. Ok. Enfin, quoi la foudre du coup. Putain, ça lui fait pas si mal que ça hein. On dit que c'était non. Elle a pas de foudre elle. Pierre slash, ouais non. Ok. On va se soigner. Si on mange avec Medical, ça sera plus facile. Je vais goûter mon boost. On devrait pas, mais c'est un boss assez dur. Hein. Lui, il a quoi lui? Non, il a rien de spécial en fait. Ok, bah du coup on va continuer comme ça. C'est un sacré sac à PV quoi. Ok, la pièce ça tombe sur moi encore. Belle, elle peut faire ça. Hein? Oui, le zéro. Est-ce qu'on est sur la pièce? Non, je sais pas, c'est bizarre. Mais ça lui fait vraiment rien. Pourquoi il prend aussi peu cher hein, par contre? Ça va pas le faire si il prend aussi peu cher. Merde, il est sur la pièce. Je vais peut-être aller voir si j'ai pas des items. Ouais, ça se fera la mer. C'est pour ça qu'il faut mettre une médica hall en fait. On aurait dû calculer. Ok.
qui tombe pas sur la pièce, bon, c'est pas grave. Attends, parce que là après c'est la pièce. Putain, ça me fait peur. J'ai peur de crever là. Non, c'est bon. C'est bon, mais c'est chaud quand même. Mais pourquoi il prend vraiment pas cher comme ça? Non, mais sans médicaux, non, c'est plus violé en fait. Putain, c'est horrible. Si elle fait mal, mais là elle a fait un crit. Yes, la pièce. Ok. Pour l'instant, on tombe pas sur la pièce, donc c'est bon. Je vais me soigner quand même. Ah mais il m'a mis Attack Down. Ah merde, ça va être à son tour là avec la pièce je crois. Non c'est bon. Vraiment super gaffe. C'est les boussons beaux on ment. Ça prend cher quand même. Je me demande combien de PV il a. Ah mais c'est marqué, je suis con. Il en a 226. Ok. Bon, bah, je vais le tuer alors. On va faire. Let's go. Bon là il lui fait rien parce que il a le tear down. 188. C'est là qu'il faut mettre le boost au max. Bon, j'espère que je vais le tuer. Au pire, je fais des attaques physiques. Comme ça, je suis sûr. Et là, il absorbe le feu. Non, je rigole. Ça, en plus, il a un truc, c'est qu'il peut soigner de plusieurs centaines de PV ce boss, on l'achève pas vite. Ok, nickel. On s'en est bien sorti. Faudrait pas que j'oublie de mettre Medicaol sur champ quand même. Voilà pourquoi le boost c'est important comme vous avez vu. Ah, nouvelle attaque Shockblade, ok. Ça, c'est cool. Et puis on a une nouvelle armure cool. How's it look? We got problems all over. The entire radar system is down.
I bet the emitter's completely fried now. The generator output keeps on dropping. I guess we ran the ship into the hyperspace column walls a few times too many, thanks to a certain idiot who flies like a maniac. What? Hey! Who do you think it was that saved us? I wish you'd consider what the navigator has to go through. I'm getting carpal tunnel thanks to you. Why don't you just direct link it? Isn't it obvious? It's way cooler to navigate by hand. Are you stupid or something? Mind your own business. At least I'm more useful than a certain out-of-control lunatic. Oh, okay now. So you think you're the man, huh? You wanna go? What you got? Bring it on. That's enough. Both of you morons, shut up. I'm sick of listening to your whining. My head hurts enough just thinking about what these repairs are gonna cost. The last thing I need is to babysit the two of you. We're back. Nove. If I had known I'd be doing this, I would have spent more time at the firing range. Hmm? What's going on? Nothing. Good work. So, who are these guys? She's Momo, and this is Ziggy. Looks like they're both with the Federation government. Nice to meet you. You two were the ones in the ship out there? Thank you very much for rescuing us. Thanks for your help. They were being held by the UTIC organization, but they managed to escape. The UTIC organization? Captain. Never thought I'd have to hear that cursed name again. What is it? That you whatever? Nothing you need to worry about. Well, stop wasting time and plot our course already! You heard him. It's nothing a stupid navigator needs to worry about. Alan, hurry up and clean up the top of the panel. This stuff's in the way. What? You're the one who left these here. Don't take it out on me. This is for you. Thanks, Cosmos. Alan, wake up already. What's wrong with you? Thanks. Just set it down there. I'm telling you, that was crazy. It was a close one, wasn't it? I gotta say, though, those were some pretty sweet moves out there, old man. Thank you very much. What? Whoa! Hold on a sec, that was you? Well, yes. I handled the flight controls. Unbelievable. Shown up by a little girl. Kids these days. That's pretty amazing, even for a Realian. Hey, that insignia on your uniform. Yes? Is that... Are you from the Mizrahi lab? Yes, I'm a 100... I'm an observational Realian. It's okay, you don't have to worry. If you're concerned about government secrets, Cosmos is one too. So, you're a 100 series observational Realian from the Mizrahi lab. A Hilbert-equipped model, right? Cosmos is equipped with it too, you know. The Hilbert effect. But of course, ours is a Vector original. You're with Vector Industries? Yep. So is Alan over there. Leave me alone. By the way, where are you headed? We might be able to get you there for a small fee if it's not too far out of the way. Right, Captain? Yeah, of course. After all, we are in the transport business. Transport? Then could you please take us to Second Milch... Could you please take us to the Second Milchian star system? Second Milchia? You too? What do you mean, you too? It's just a strange coincidence, that's all. Cosmos's new deployment is on Second Milchia also. Hey, that's great. It'll cost less if you're all going the same way, Shion. Well, I suppose that's true. Captain, what about ship repairs? Yeah. We gotta take care of that first. Let's stop at a nearby dock colony. That all right with you? Of course. Thank you for taking us. Well, relax and enjoy the trip. Hey, Ms. Vector, show him around, would you? He's being unusually nice. What?
I got a booger hanging out of my nose, or... What? Oh, no, no, no. Nothing, nothing. All right then. Shall we go? Momo? Ziggy? Voilà. Bah, du coup, c'était assez rapide au final. Donc ouais, on a réuni presque tous les personnages du jeu. On a maintenant 5 persos. Comme mes momos là. Alors oui, avant de faire la connerie, hop. Voilà. C'est bon. Je me sens mieux comme ça. Et du coup... on va aller sauvegarder. Ah tiens, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah bah comme ça vous voyez ouais, que... c'est pas très compliqué quoi. Donc quand on a réuni tous nos persos, vous verrez chaque personnage aura un background bien développé. Bon, pas tous dans le même épisode. Chion, ça sera tout le long du jeu, parce que c'est un peu le perso principal. Ziggy, il a un jeu à lui, même si on dans l'épisode 3, il y aura beaucoup de trucs avec lui. Mais il a un jeu bien à lui, comme je vous avais expliqué. Momo, surtout dans l'épisode 2, on verra beaucoup de choses. Et puis, avec Cosmos, bon, c'est un peu... ça expliqué en même temps que Chion. Et Chaos, bah on en saura très peu sur lui avant la fin. Mais c'est pas fini parce que on va bientôt découvrir un autre personnage. Il manque que l'équipe soit au complet. Et vous voyez hein, sur le sauvegarde, il y a un portrait, il y a la place pour un nouveau portrait là. Peut-être même deux on dirait. Et bah en tout cas j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de l'histoire. Salut.